Les trusts, comme les fondations, les sociétés écrans, les holdings, ont un intérêt fondamental, c'est de créer de l'opacité financière. Pourquoi c'est bien pour les gens qui s'y adonnent de créer de l'opacité financière? Ça leur permet de déconnecter leur richesse de leur personne. Donc, ils possèdent de l'immobilier, des yachts, des jets, des actions, des obligations, des parts de fonds d'investissement, mais personne ne sait trop à qui ces richesses appartiennent. L'autorité judiciaire va avoir beaucoup de mal à trouver qui sont les propriétaires effectifs de ces fortunes, le fisc, des époux, des épouses, des partenaires commerciaux, etc. Cette opacité financière, elle facilite ensuite toutes sortes de délits, de crimes financiers, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, parfois le financement du terrorisme. Donc c'est ça le problème que posent les trusts et tous les autres vecteurs d'opacité financière.